Chablis, c'est la porte d'or de la Bourgogne. On dit que la Bourgogne commence avec Chablis et c'est vraiment la première région de la Bourgogne en venant de Paris. Ce qui va faire le lien avec la Bourgogne et le fait que le Chablisien est intégré dans la Bourgogne, c'est évidemment le cépage, hein, c'est le chardonnay qui fait le lien évident avec le reste de la Bourgogne. La seconde chose, ce sont les sols. On est sur des sols argilo-calcaires. Alors par contre, ce qui va nous différencier, et c'est là où Chablis a vraiment une place à part dans la Bourgogne, c'est que nos sols, même s'ils sont argilo-calcaires, ils contiennent une quantité importante de petites huîtres qu'on appelle Ostrea virgula. Et ces petites huîtres, on va les retrouver très facilement. Hein, quand vous venez à Chablis et que vous vous promenez dans les grands crus ou dans les premiers crus, on retrouve très facilement dans les sols ces petites huîtres. Alors le chardonnay, il va vivre sur ces huîtres, et il va se développer et prendre un caractère qu'on appelle de minéralité et qui est vraiment dû à cette particularité de sol. Donc nous sommes dans la Bourgogne, mais avec une particularité, le chardonnay va s'exprimer totalement différemment à cause de ces petites huîtres, du fait que les racines de vignes vont venir dans ces sols gorgés d'huîtres pour se nourrir de minéraux. Donc c'est vraiment ça la spécificité des vins de Chablis, et que l'on va un petit peu opposer, même si c'est toujours la Bourgogne, on va un petit peu les opposer aux vins de la Côte de Beaune, de la Côte de Nuits ou des Mâconnais, parce que ça reste des sous-sols très très particuliers. Dans son ensemble, c'est à peu près 5000 hectares, 5000 hectares, plantés exclusivement en chardonnay, donc ce n'est que du chardonnay, et le tout est divisé en 4 niveaux d'appellation. Alors c'est la Bourgogne, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça s'organise assez facilement ici à Chablis. Alors si on commence par le bas de la pyramide, on va avoir les petits Chablis, hein, qui sont l'entrée de gamme, le produit qui permet d'accéder à Chablis, avec à peu près 800 hectares de petits Chablis qui vont être plantés sur les extérieurs de Chablis, exclusivement sur les plateaux, sur les extérieurs de Chablis. Donc ce sont des vins assez fruités, assez légers, qui sont des vins en général à consommer assez rapidement, qui sont vraiment travaillés sur le fruit et qui sont très intéressants pour ça. Le niveau suivant, qui va constituer l'essentiel de l'appellation, ça va être les Chablis, qu'on appelle Chablis Village, les Chablis classiques. Et là, c'est à peu près 3500 hectares. Alors ces Chablis villages vont être sur des zones avec ces fameuses huîtres, petites huîtres, hein, ce fameux chiméridien, comme on l'appelle, et donc constituent le plus gros de la production ici. Les Chablis sont des vins à être gardés un petit peu, 3 à 5 ans. Ils expriment des belles minéralités et des très jolis fruits sur leur jeunesse. On continue à monter dans la pyramide et on va trouver les Chablis premiers crus, qui vont être les meilleures expositions parmi les Chablis. Donc à partir du moment où vous avez des coteaux qui sont plein sud, comme ce matin en Vaucopin, ou sud-est ou sud-ouest, on va avoir des Chablis premiers crus. Alors, c'est la Bourgogne encore, on aime bien compliquer un petit peu, et on va trouver dans ces zones de Chablis premiers crus à peu près 40 noms de lieux-dits différents, hein, qu'on appelle les climats. À Chablis, voilà, les Vaucopins en est un, les Vaillons, l'Homme Mort, Fourchaume, Montée de Tonnerre sont des climats. On va retrouver commercialement en général beaucoup moins que 40 puisqu'ils ne sont pas tous connus et en général une dizaine vont se retrouver sur les marchés et dans les magasins. Tout en haut de la pyramide, enfin, on va trouver 100 hectares, hein, c'est un chiffre qui est assez rond, assez mythique, mais 100 hectares de Chablis Grand Cru. Qui vont être divisés pour le coup en 7 climats différents. Les plus connus vont être Blanchot, Clos, Vaudésir. Ces 7 climats, donc pour le coup, sont tous les uns à côté des autres. Hein, ça constitue un ensemble homogène. Et on va trouver une particularité dans ces grands crus qui est la Moutonne, qui est un peu considérée comme le 8e grand cru.
La Moutonne, c'est une parcelle qui est située à l'intérieur des Grands Crus, une parcelle qui fait 2,35 hectares, donc ça reste un site vraiment relativement protégé et de petite taille. La particularité de cette vigne de la Moutonne, c'est qu'elle était exploitée à l'époque par les moines. Il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Pontigny, qui est une abbaye cistercienne, et c'était ces moines-là qui étaient les premiers à cultiver la vigne à Chablis, dans un secteur qui est assez enclavé, qui fait toute une sorte d'amphithéâtre, et ce lieu-dit s'appelle la Moutonne. Donc c'est vraiment un lieu-dit historique, et qui est un secteur qui est très très chaud et très protégé, et qui est cultivé depuis le XIe siècle. Alors, la Moutonne, elle a une autre particularité, elle en a même deux autres, c'est que c'est un monopole d'une part, donc il n'y a que l'on de Paqui qui produit cette Moutonne. Et la seconde, c'est que la délimitation des appellations d'origine en France va se superposer à la parcelle de la Moutonne. Et donc d'un point de vue strictement technique ou de provenance de raisin, la Moutonne est à 95% sur le climat Vaudésir et à 5% sur le climat Preuse. Alors c'est un petit peu une exception dans le paysage viticole français, où on a cet ensemble historique qui va dominer un petit peu l'appellation de par cette antériorité très importante. Donc la Moutonne, ça donne des vins très très riches, ça va donner des vins sur des expressions minérales très, très profondes, toujours sur l'élégance, et ce sont des vins de très longue garde. Française, 1789 ici, il y avait deux frères qui étaient à l'abbaye de Pontigny et qui étaient en charge de l'abbaye, qui s'appelaient Jean et Simon de Paqui. Alors ils connaissaient parfaitement les vignobles ici puisqu'ils étaient en charge de l'abbaye et donc de son activité agricole. Et il s'est trouvé qu'au moment de la Révolution française, tous les biens du clergé ont été confisqués et vendus aux enchères. Et ça a été le cas pour les vignobles de l'abbaye de Pontigny. Et ces deux frères, à ce moment-là, ont quitté les ordres et ont surenchéri au moment de la vente aux enchères pour racheter pour eux les anciennes vignes de l'abbaye. Et c'est comme ça que le domaine est né, avec ses deux frères de Paqui, qui ont fait une culbute assez amusante au moment de la Révolution française, en quittant les ordres et en rachetant pour eux les anciennes vignes de l'abbaye. Alors il y avait évidemment dans ces vignes, il y avait le joyau de la Moutonne, cette vigne de la Moutonne, qui est tombée dans l'escarcelle du domaine de Paqui à l'époque. Alors ces deux frères, ils vont avoir une vie assez classique, après ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. L'un d'entre eux d'ailleurs n'aura pas d'enfant, il va adopter un de ses neveux qui s'appelait Auguste Long. Auguste Long va hériter du domaine, il va juste accoler son nom à celui de son père adoptif, et ce qui va donner le nom actuel du domaine, domaine Long de Paqui. La famille Long de Paqui, elle va faire fonctionner le domaine jusque dans les années 1970, où ici ça devient un petit peu compliqué, on a des problèmes un petit peu de mévente, il y a eu le phylloxéra, donc une destruction importante du vignoble, il y a eu les deux guerres, on a des soucis de main-d'œuvre et puis des gelées récurrentes contre lesquelles on a du mal à lutter, ce qui fait que les trésoreries et l'économie ici ne va pas très bien. Et la famille Long de Paqui, à ce moment-là, va décider de vendre le domaine à une autre famille de Beaune, qui est la famille Bichot. Et la famille Bichot va s'investir ici, dans le domaine, à partir de 1970. Alors il faut savoir que le domaine ne faisait que 10 hectares en 1970 et qu'il va grandir avec le développement du Chablisien, le développement commercial et le rayonnement de Chablis, puisqu'il fait aujourd'hui 65 hectares. Thank you.
période très importante pour nous, évidemment, puisque on va, en une période de 15 jours, ramasser tout le travail de notre année. Le travail des vendanges, en fait, est assez simple, malgré tout assez difficile physiquement, puisqu'on est courbé toute la journée et que les coteaux ici sont assez abrupts. On l'a vu dans les Vaucopins. Ça va être le cas aussi dans certains grands crus comme les Blanchots ou la Moutonne, où là, il faut vraiment de la condition physique pour pouvoir monter ces côtes. Alors, il y a, on va dire, trois types de personnes qui vont intervenir sur la vendange. Les premiers vont être les coupeurs. Alors, leur mission est très simple, c'est de couper sans trop de distinction. On va leur demander de couper un petit peu tout ce qui se présente. C'est un choix qu'on a fait de leur demander de couper toutes les grappes qui se présentent à eux, d'en oublier aucune. On leur demande d'éviter les grappes qui sont tout en haut, qui sont des petits verjus et des grappes très acides, qui ne nous intéressent pas, mais ils vont devoir couper toutes les grappes qui sont dans la zone fructifère, la zone où les fruits principaux sont. Quand une pousse démarre sur la vigne, vous avez le bois principal qui pousse ici, avec donc les sorties de raisins. Donc vous avez généralement un premier raisin à 10 cm environ du bas de la pousse, un deuxième qui suit ici, et quand on a des grosses années, on a jusqu'à un troisième à cette hauteur-là par talle. Donc là, évidemment, ça fait une grosse année. Donc bon, là, c'est pas un exemple, on a quand même pas mal de raisins sur ce pied-là par rapport à la petite année. On a quand même une récolte qui est très jolie ici parce qu'on est bien exposé, c'est ça l'avantage. Et quand il y a bien fait froid début de saison, c'est là où le raisin, tellement qu'il fait froid, la petite grappe, elle disparaît d'elle-même et elle devient ce qu'on appelle une vrille. Donc vous voyez, ici on peut s'apercevoir que le premier raisin, alors ça disparaît toujours de haut en bas, toujours. Donc en fait là, on aperçoit bien qu'on avait eu un troisième raisin qui a disparu. Par la suite, le vendangeur, dès qu'il a rempli son seau, il va appeler le hauteur. Peut-être vous avez vu ce matin les gens appeler le hauteur pour avoir la disponibilité du hauteur. Et le hauteur, lui, donc, a cette espèce de gros récipient dans le dos qui peut peser jusqu'à 30-40 kg. Et il va donc récupérer la vendange qui est dans les seaux de chacun des vendangeurs. Donc son travail, lui, c'est de s'occuper d'à peu près 7-8 vendangeurs qui vont déverser leur vendange dans sa hotte. Alors il a une responsabilité importante, lui, puisqu'il supervise aussi, il regarde un petit peu dans ses vendangeurs, les vendangeurs dont il a la responsabilité de vérifier qu'il n'y a pas de feuilles, qu'il n'y a pas de cailloux, de choses indésirables qui auraient pu tomber dans la vendange. Et ensuite, il va transporter cette vendange jusqu'à la dernière catégorie de personnes qui est très très importante, ce sont les trieurs. On a un système qui permet de trier à la vigne, de manière à pouvoir transporter la vendange uniquement la plus jolie, et ces trieurs donc vont sur une table de tri séparer ce qui est le moins intéressant du fruit apte à être vinifié. Donc les trieurs, ils vont passer à la main l'intégralité des grappes, séparer les dernières feuilles, également séparer les choses qui sont abîmées ou trop pourries ou des choses qui sont indésirables pour la vinification. Voilà, tout ça nous demande une logistique importante. Il y a à peu près ici 80 personnes qui vont couper en même temps, plus toutes les personnes qui vont transporter, une quinzaine de hauteurs. Donc ça fait au total une centaine de salariés qu'il faut organiser, qu'il faut motiver, qu'il faut intéresser à leur travail. Et aussi accompagner quand la météo est un petit peu moins bonne, ou quand il fait chaud ou froid, il faut les aider à travailler le mieux possible pour que les chantiers avancent. L'étape suivante après la récolte, évidemment, c'est de transporter toute cette vendange jusqu'à la cuverie de vinification. Donc on va transporter ça dans des grandes bennes qui ont l'avantage de ne pas être très hautes. Donc le tassement va se faire très peu dans ces récipients-là. Et on va avoir à peu près 10 minutes, 10-15 minutes de route pour amener cette vendange à la cuverie. Alors, dès que la benne va arriver à la cuverie, on va la déverser dans un conquet de réception qui nous permet de stocker la vendange temporairement et surtout de la peser.
qui est très intéressant pour nous, hein, pour connaître les rendements, pour connaître la quantité de raisins qu'on récupère par unité de terroir pour la gestion future, tout ce qui peut concerner la taille, la fertilisation, la gestion plus agronomique des parcelles. Et ensuite, cette vendange-là va être égrappée, un système qui s'appelle l'égrappoir et qui va permettre de retirer la rafle, hein, qui est la partie centrale qui tient les baies, puisqu'on ne désire pas la mettre dans le pressoir. Elle peut apporter des composés un petit peu végétaux, hein, donc on va la séparer des baies et l'envoyer en distillerie. Donc l'égrappoir va faire ce travail-là, il va également retirer les dernières feuilles, si feuilles il y a, ça peut arriver. Et donc d'un côté, on va envoyer les baies directement dans le pressoir et de l'autre côté, on va récupérer tous les déchets, entre guillemets, donc les rafles, les éventuelles feuilles. Donc cette étape est assez rapide, ça prend à peu près un quart d'heure pour vider la trémie et on va ensuite procéder au pressurage. Voilà, l'étape suivante, c'est le pressurage. Donc, c'est la prochaine étape œnologique très importante où là, on va vraiment libérer les jus de la grappe. Et c'est vraiment une étape cruciale puisqu'on ne souhaite pas que cette libération de jus ait lieu avant. Évidemment, à la vigne, on ne veut pas que ça se passe. Dans la benne à vendange, pendant le transport, on ne souhaite pas qu'il y ait de libération de jus. Et donc, on va libérer les jus donc, au moment que l'on souhaite, c'est-à-dire dans le pressoir. Donc, la vendange est placée dans le pressoir. Ensuite va démarrer le cycle du pressoir qui permet donc de manière pneumatique, à l'aide d'une membrane, d'appliquer une pression très douce en fait, à la vendange pour libérer les jus le plus lentement possible, sans à-coups et sans dilacérer les pellicules, également sans écraser les pépins. Les pépins sont en général assez végétaux, ils peuvent libérer des composés qui sont acerbes, verts, vraiment indésirables dans les vins, donc le pressoir a la possibilité de pressurer, mais très lentement et de manière très douce pour éviter ces composés indésirables. Donc ça, c'est vraiment une étape cruciale, évidemment, des fruits et de beaux fruits, bien transportés, mais un pressurage doux et lent et respectueux sont vraiment très importants. À la suite du pressurage, bien les jus vont sortir de la cage du pressoir, mais ils sont un petit peu chargés à ce moment-là. Il peut y avoir du sable ou de la terre un petit peu adhérente au raisin, où il peut y avoir également des petits morceaux de pellicule qui sont libérés par le pressoir. Et donc les jus sont un petit peu troubles, ils présentent une couleur un petit peu brune. Mais ce n'est que de la charge en fait, ce sont juste un petit peu de sable ou de la terre qui vont se déposer naturellement dans une cuve, sous les pressoirs. Et ces jus, on va les laisser au froid pendant une nuit à 13 degrés pour que tous ces composés se décantent et précipitent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le débourbage. Et c'est ce qui permet de retirer les bourbes. Et c'est une autre étape cruciale. On ne doit surtout pas fermenter les jus tels qu'ils sont, puisque là, on aurait à nouveau des composés indésirables, des goûts de réduction, des goûts de serpillière, des goûts vraiment de renfermé et qui sont vraiment indésirables. Et à la suite de ça, on va pomper les jus clairs. Donc là, on retrouve un jus clair, un jus qui est vert, brillant et qui est apte à être fermenté. Et on va le placer soit dans des cuves inox, soit dans des fûts pour la fermentation et la vinification.
vinification proprement dite, hein, donc, on commence par la fermentation alcoolique. Donc là, ce sont des levures, hein, qui vont transformer le sucre contenu dans les raisins en alcool. C'est un processus naturel qui se fait, qui peut se déclencher tout seul ou à l'aide de levures que l'on va apporter au mou. Et ces levures vont libérer de l'alcool, mais également beaucoup d'énergie. C'est un processus qui libère beaucoup de chaleur. Une cuve laissée toute seule pendant sa fermentation alcoolique va libérer beaucoup de calories, beaucoup de chaleur. Elle peut monter jusqu'à 40 degrés, température à laquelle les levures vont mourir. Donc on va refroidir chacune des cuves pendant la fermentation alcoolique pour éviter qu'elle monte trop haut en température. Donc ça, c'est une étape qui dure à peu près 15 jours. Et à la suite de cette étape-là, les levures qui sont contenues dans la cuvée vont mourir. Il n'y a plus de sucre à manger, elles vont mourir et se déposer dans la cuve. Et là commence ce qu'on appelle l'élevage sur lit. C'est une opération qui est très commune en Bourgogne et ici particulièrement à Chablis. Et l'élevage sur lit, c'est ni plus ni moins qu'un élevage sur levures mortes. Et ces levures vont commencer à se décomposer et relarguer dans le milieu un certain nombre de composés, dont des protéines, qui vont surtout jouer sur l'ampleur en bouche, sur le gras, beaucoup plus que sur le côté aromatique. Pendant que cet élevage sur lit commence, on attend une seconde fermentation qui s'appelle la fermentation malolactique et qui est une fermentation ici recherchée à Chablis. Hein. La fermentation malolactique, ce sont pour le coup des bactéries, hein, qui sont déjà dans le vin, hein, qui sont déjà présentes, mais qui attendent qu'une chose, c'est que les levures meurent et laissent la place libre. Hein. Donc la nature est bien faite de ce côté-là, hein, c'est que une fois que les levures sont mortes, les bactéries vont se développer. En général, ça se fait début d'hiver, voire au début du printemps. Et les bactéries vont consommer de l'acide malique, qui est un acide assez vert, assez dur. Hein, c'est l'acide qu'on trouve dans les pommes Granny Smith, pour le transformer en acide lactique, qui est un acide beaucoup plus doux, beaucoup moins fort. Donc l'acidité générale du vin va baisser et il va être beaucoup plus facile à consommer. Il va être stabilisé microbiologiquement. Voilà. À partir de là, on considère le vin comme terminé d'un point de vue chimique, hein, si l'on peut dire, mais le vinificateur va continuer, et c'est ce qu'on fait ici, à élever les vins sur les lits. Hein, donc on attend encore un bénéfice de cet élevage sur lit, et que l'on va prolonger jusqu'à l'été, voire jusqu'au début de l'hiver pour les grands crus, de manière à travailler sur la bouche, à travailler sur l'ampleur en bouche et le gras. Donc ça se pilote vraiment à la dégustation, et vraiment en fonction du millésime, en fonction de l'acidité du millésime et en fonction de ses composantes intrinsèques. Alors il y a un point qui est très important ici, c'est l'élevage et l'utilisation du fût. On sait qu'en Bourgogne, on utilise beaucoup les fûts, notamment sur les grands blancs, je pense à des Meursault, à des Beaune Premier Cru, à des Clos des Mouches. Ici, on va utiliser le fût de manière très réduite pour une simple et bonne raison, c'est que la minéralité, ce qui va faire les caractéristiques de notre Chablis, cette minéralité est très fragile. Donc de la mettre en fût, on masquerait complètement cette caractéristique importante de nos vins. Et donc à Long de Paquis, ici, on va utiliser le fût vraiment avec parcimonie. Et ça veut dire que uniquement pour certains premiers crus et les grands crus, on va effectuer une vinification pour partie en fût et pour partie en cuve inox. Alors, si je prends un petit exemple, avec la moutonne par exemple, on va vinifier 25% de la moutonne dans les fûts. Hein, donc ça veut dire que fermentation alcoolique, malolactique, élevage sur lit ont lieu dans les fûts, pendant que les 75% restants font la même chose en cuve inox. Hein, donc ça, c'est très important, c'est le même jus de départ, mais avec des vinifications qui sont dans des récipients différents. Et au bout de 8 à 10 mois, on va réassembler ces deux parties pour un élevage final sur lit à nouveau pour à peu près 6 à 8 mois en cuve inox pour le coup. Donc on ne va pas embouteiller une moutonne boisée et une moutonne non boisée. C'est la complexité amenée par le fût et la tension amenée par la cuve qui nous permet de conserver cette identité chablisienne, ce côté très minéral, ce côté tendu, cette expression de fraîcheur, et sans avoir de caractère vanillé ou ostensiblement boisé. Alors ça, c'est très important. Il y a des grands débats à Chablis, est-ce qu'on doit utiliser ou pas le fût. Certains l'utilisent à 100%, d'autres l'utilisent pas du tout. Certains vont vinifier dans le fût, d'autres ne vont placer les vins qu'après la fin des fermentations. Un autre choix, c'est d'utiliser avec parcimonie,
quelques pourcents, 25 à 30%, mais surtout de vinifier dans les pièces, puisque c'est là qu'une certaine alchimie se fait, que la prise de bois est beaucoup plus facile et se fait de manière beaucoup plus douce que de mettre les vins après qu'ils soient finis. Changement du climat, et c'est un des sujets qui est travaillé au niveau de la région dans son ensemble, au niveau de l'interprofession, puisqu'il y a évidemment un réchauffement, et on le voit à travers de petits exemples tout simples que je vais vous citer, mais on voit qu'il y a un réchauffement, donc des groupes de travail se sont montés pour travailler autour de ça. Alors une petite chose qui est toute simple, mais quand on regarde le nombre de jours de gel par an, les anciens disent que dans les années 70 ou 60, il y avait jusqu'à 15 journées ou nuits de gel ici par an. Ici, maintenant, c'est plutôt 2 ou 3 par an, et on voit que c'est une baisse très importante. Donc ça, c'est un tout petit critère, on va dire interne, mais il a une signification à notre échelle. Il y a moins de gelée, donc c'est un signe de réchauffement. Autre petit exemple sur la période entre la floraison de la vigne et la récolte, c'est 100 jours normalement. C'est un cycle assez mathématique. La nature là est réserve des surprises, mais c'est un cycle normalement d'une centaine de jours, et ce cycle là a tendance à se réduire un petit peu. On est plutôt maintenant régulièrement à des 94-95 jours, donc ça c'est à nouveau un critère qui nous permet de dire qu'il y a une étape de réchauffement. Alors pour nous dans nos régions ici, région septentrionale au nord de la zone de production en France, ça nous touche beaucoup moins. En dehors de certains millésimes, je pense à 2003 qui a été une année caniculaire et qui a un peu bousculé tout le monde. Et ça a été vraiment l'année où on a pris conscience que un réchauffement climatique de fond pouvait vraiment modifier nos expressions et ce qui était notre identité. Depuis, ce groupe de travail s'est monté pour essayer de faire des sélections, notamment sur des chardonnays qui seraient adaptés à des conditions plus chaudes, de manière à conserver notre identité. Elle passe beaucoup cette identité par le fruit, bien entendu, mais par l'acidité. C'est toujours ça qui est en jeu, de ne pas perdre l'acidité qui est importante. Pour nous, sur la vinification, ça va changer des petites choses, surtout les dates de récolte. C'est-à-dire qu'on a des moyens maintenant d'analyse et d'échantillonnage qui nous permettent d'être encore plus fins pour déclencher nos dates de récolte. Donc en plus de déguster énormément, on va faire des analyses au laboratoire qui vont donner des indicateurs pour nous aider à caler et à conserver cette fraîcheur. C'est notre devoir de préparer la suite. Ce qu'on plante aujourd'hui, les cépages, le chardonnay que l'on plante, mais les sélections que l'on choisit maintenant, sont celles qui vont produire dans les 40 prochaines années. À nous d'anticiper un petit peu ça, d'où ce travail sur la sélection et le matériel végétal. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Chablis est un petit peu à l'écart des routes malgré tout, c'est pas Beaune, c'est quelque chose qui va attirer souvent des gens qui connaissent déjà un petit peu les Chablis. Moi j'ai quand même envie d'inviter tout le monde et en particulier les Brésiliens, puisqu'on a ici des choses qui sont vraiment magnifiques à montrer. Au premier abord, la région paraît assez plate, assez morne, mais on a beaucoup de choses à montrer et à vous montrer donc à travers nos terroirs, et dès qu'on prend un petit peu les sentiers éloignés, on peut faire des magnifiques balades à pied, voir des choses très escarpées. Et en se levant le matin, comme ce matin un petit peu tôt, on a des émotions qui sont assez extraordinaires. C'est vraiment un endroit qui est magnifique.